J'écosse des petits pois. Les petits pois tombent. Ça tombe dans la casserole. Ça fait un bruit bizarre. Les petits pois qui tombent dans la casserole. J'écosse des petits pois. C'est mon métier maintenant. Écosser des petits pois. Alors j'écosse. Alors les petits pois tombent. Ça fait un tas dans la casserole. Aujourd'hui, j'écosse des petits pois parce que c'est l'été. L'été, c'est ça, les petits pois, l'écosse, tout ça qui tombe. D'autres fois, je fais des sacs. C'est mon métier aussi, les sacs. On prend du papier et de la colle. On plie le papier. On colle. Ça fait un sac. Voilà. Sac en papier. Ici, tout le monde écosse des petits pois ou fait des sacs ou les deux. De la ficelle aussi, je fais comme tout le monde. Alors, c'est mon métier, faire ça. J'ai appris mon métier. Il est nouveau. J'écosse des petits pois. Les petits pois tombent. Se dit encore, chantonne. Petit pois qui tombe, c'est moi qui l'écosse. Toc, toc, toc. Doigt qui pousse sur la cosse. Ouvre le ventre. Sa petite tête apparaît. Toc. Il tombe de la cosse. Ventre déchiré. Ongles déchirent, ventre craque, petit pois sort. On l'arrache, le fait tomber, recommence. Entre les ongles, les doigts poussent, la tête sort, petit pois tombe. J'écosse des petits pois, tout est là. Petit pois qui naît, tombe, on le mange. Métaphysique du petit pois, quoi. Et toc, encore un petit pois. Petit pois qui tombe. Il y en a un tas dans la casserole. Un tas comme nous ici.
Nous aussi, on est des petits pois. Des petits pois en tas. Des petits pois qui rigolent. Parce qu'on est bien ici. Les autres sont gentils aussi, souvent. On rigole ensemble. Ils racontent ce qu'ils ont vu autrefois, avant ici. Et moi je dis ce que j'ai vu autrefois, avant ici. Je dis, je m'appelle Joseph. Ils rient, ils disent, tu t'appelles pas Joseph. Ils disent, tu t'appelles Tobias. Il rit. Tobias. Je ris avec eux. J'ai fait une école, vous savez. Il rit. Vous voyez, je m'appelle Joseph. 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 Vendu par sa sœur. Joseph. Le rêveur. Je suis chez Poutifar. Il dit Poutifar. Il dit Joseph. Il dit Poutifar. C'est celui-là, ce gros poids, le docteur Poutifar. Alors on rit. On n'arrête plus de rire. Mais je réponds, mais je sais écosser les petits pois. J'ai fait une école. Il ne faut pas me fâcher, vous savez. Parce que parfois, il y en a qui lancent les petits pois. Alors je me fâche, parce que c'est sérieux, écosser les petits pois. Le directeur a dit que je devais écrire de nouveau. Qu'il le fallait écrire, pas. Préfère les petits pois. D'abord, les petits pois, c'est bon. On les mange le soir. Et on rigole en se souvenant qu'on les a écossés. C'est comme si on mangeait les paroles échangées en écossant les petits pois. C'est comme si on mangeait les rires échangés en écossant les petits pois. Car ici on rit encore beaucoup, ou pas, parfois trop. On prend les rires dans la casserole, on les met dans nos bouches, alors on rit et on crache les petits pois. Même les infirmiers rient, des fois pas, se fâchent aussi. Mais tous gentils ici, en fait, quand même. Le directeur est gentil. M'a dit aimer beaucoup mes articles, mais qu'il n'avait pas lu mes romans. Parce que j'ai écrit des romans aussi. Ça, je le sais. M'a dit que je devais encore écrire, m'y remettre, parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup ça, vraiment. Le directeur est gentil avec moi, c'est vrai. J'aime bien ici, se dit. J'aime ça. Au début, non. Maintenant, j'aime. Pas toujours, quand même, mais quand même, j'aime. Alors, mais pas écrire, rien, juste les petits pois, les sacs, ça.
voilà. C'est le lac. Il ne se souvenait plus que c'était si grand. Et c'est là. Calme. Tout au bas de la pente. Ça n'a jamais bougé. Et lui, là-haut, pas si loin, pas bougé non plus. C'était quand ? Ne sais plus. C'était avant. Mais c'est fini. Il est là. Le lac est là. Pas peur du lac. Se dit, j'avais oublié. Joseph est bien bête. C'est là qu'il fallait venir. Il s'assoit, être là et regarder. Rien à faire qu'à être bien. C'est ça que tu voulais ? Un peu de brume à la surface. Sinon, rien. Le lac, brume de lac, pas une vague. Ça clapote sans bouger. Quelques rides et des poissons qui sautent. Ça fait des cercles où les poissons se noient. C'est ce qu'on se dit. On s'absorbe tout pareil. On tombe dedans. Je suis un poisson. Et les oiseaux ? On verra tout à l'heure. On n'est pas pressé. Lac. Plat du lac. Calme et blanc. Ça scintille. On s'oublie. On pourrait rester là toujours. Se dit, Joseph est un vénard. Tout ça est à moi. Merci, docteur. Joseph glisse dans Joseph et sur le lac. Joseph est le lac, plat du lac, brume. C'est comme être allongé dans l'herbe sous le soleil, comme rouler dans la pente et ne plus s'arrêter, comme savoir qu'on l'a fait et qu'on n'aura plus jamais à le faire. Ce bonheur de ne plus le faire et de savoir qu'on l'a fait, comme ne plus avoir à penser, comme être dans son corps et dehors à la fois, comme se souvenir et oublier à la fois. Du coup, les pensées passent, ça ne pense plus, ça vole, papillon dans sa tête qu'il voudrait attraper, un poisson de gobe, c'est trop tard, c'est toujours trop tard, il se dit. Toujours en retard, tout va trop vite, se dit, je suis ivre, je n'ai pas bu, mais c'est le lac, et boire le lac, et boire, et puis courir sur l'eau du lac, après le papillon, je suis un poisson, et quoi encore ? Ça le traverse, il ne retient rien, d'ailleurs je m'en moque, qu'est-ce qui peut rester ? Rien ne reste. Ça se sait. Je sais tout ça. Et puis tout le monde, s'allonger sur le lac et sentir l'eau sous soi. Voyez, je m'allonge. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Vous taisez, tout se tait. Joseph se tait. Pas d'oiseaux. On s'en moque des oiseaux. Ou pas ?
Tout le monde s'en moque de ton secret. Ça ne sert à rien. Rien ne reste, vous savez bien. Rien qu'être là, à être bien. Pas vouloir autre chose. Juste être là, au bord du lac. Pas un livre, rien. Pas un sac, pas un petit poids. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je suis là. Personne n'y peut. Est-ce que c'est moi? Même pas sûr. Rien n'est sûr sauf être là. Être là à être bien. C'est tout ce qu'il y a. Le lac. Et moi, allongé sur le lac. Être un poisson, le ventre à l'air. Ça veut dire mort. Eh bien, pourquoi pas? Tout le reste, c'est buée. Lac et brume de lac. Buée, Lisa. Buée, docteur. Le directeur, buée. Et toi, Joseph, buée. Et Tobias et Jürgen et Lars, buée. Les oiseaux, buée. Mon secret, buée. Brume de lac et rien d'autre. Juste être là, à être bien. Sur l'eau ou au-dessous. Être un poisson dans l'eau. Ça vous vient tout à coup. Retrouvez ça, cette sensation. Sorti de là, et alors. Être nu, de nouveau. Je suis ce poisson. Nu. Sans écailles. Rien qui accroche. Le corps fend l'eau, c'est du silence. L'eau caresse le corps, c'est de la joie. Ça s'appelle comme ça, ça ne peut pas. Aucun mot pour ce corps. Pour ce corps-là dans l'eau. Rien. Pour le saisir, sinon le froid. Mais même le froid n'est pas le froid. Même le froid, c'est de la joie. Quoi d'autre? Aucun mot. Joseph s'en fiche, il n'a plus peur. Juste être là, à être bien. Que ça. Alors il glisse dans l'eau. Et son corps se détache. Il se retourne. Regarde le ciel. La joie encore, mais au-dessus. Tiens, les oiseaux sont là. Bonjour, oiseaux. Il dit « oiseau » encore. Les oiseaux passent. Salut, Joseph. Ils sont passés là-haut. Et Joseph pense « Vous aurez mon secret, oiseau. » Mais pas maintenant. Juste être là, à être bien. Flotter. Les fesses dans le sac. Les fesses dans le lac. Le sexe dans le ciel. Je suis un poisson. Et vous, oiseau? Le soleil sème des grains sur le lac. Et lui, comme une tache blanche au milieu, qui le regarde? Personne. Buée et brume de lac. Se dit, je l'ai lu, j'ai tout lu, que des mots. Mais plus rien maintenant, rien lire, rien écrire, juste flotter. Vous n'aurez rien. Regardez, moi qui flotte, rien de plus. Alors quoi faire? Vous pouvez partir. Je reste.
Il a neigé. Le lac encore, le lac gelé. Il s'assoit sur le bord. Les fesses dans la neige. Les fesses dans le blanc. Il regarde. Se dit encore. Les yeux pleins d'air. Le corps plein de blanc. Une poussée de neige à l'envers de l'arbre. Le lac craque. Le lac danse dans la neige. J'entends ses pas contre la rive. Il danse à son rythme. Sa danse à petits pas de neige. Marcher dessus. Et pourquoi pas? Tout est possible ici. Joseph peut tout à présent. Marcher sur le lac, il peut, tout comme l'autre encore, pas de raison. Alors, il avance, d'abord prudemment. La glace craque, mais ça tient. Il marche sur le lac, pas glissé. Le chien arrive. Ça aboie. Le chien? Quel chien? Un vrai? Un faux? Qui peut dire? On s'en moque. Joseph s'en moque. Et Tobias aussi se dit, on s'en moque bien. Qu'ils viennent, d'où qu'ils viennent. Il faut bien qu'il y passe. On marche avec prudence. Ça craque un peu encore, mais ça tient. Combien de temps ça tient? Se voit tomber. Mais non, ça tient. Surtout ça glisse, il glisse. Doucement d'abord, puis l'assurance vient, se laisse aller dans tout ce blanc. Et le chien? Le chien le suit, bien sûr. Vous croyez quoi? Tout est pour lui. Le chien aussi glisse dans le blanc. Dans l'air et dans le blanc. Ça glisse, ça craque, ça tient toujours. Alors on glisse plus fort. Joseph, le chien, n'a plus peur, Joseph, du chien, de rien. Mais le chien, lui, a peur. Il ne veut pas glisser. Pas un enfant, le chien, jamais. Le chien a juste peur. Joseph le sent qui glisse derrière lui, paniqué. Trop peur pour aboyer, mais tant pis pour le chien. Se dit, tant pis, tant mieux. Pourquoi tant mieux? Ne sait pas, ne sait rien Joseph. Glisse seulement. Ça monte en lui tandis qu'il glisse. Sait qu'il le faut, c'est le souffle du chien, l'excitation de la glissade. Plus rien ne le retient. Il entraîne le chien, qu'il aboie enfin. Il voudrait l'entendre, mais rien. Le chien souffle seulement. Ou bien c'est lui? Le chien espère, le chien s'accroche. Viens donc, gros toutou, viens, tu ne m'attraperas pas. Ça craque un peu. Joseph rit. Il ne peut plus me mordre, il est trop loin. Joseph vole sur la glace. Ça craque encore. Joseph n'a pas peur. Le chien scie.
Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'on sent quand ça vient? Quand ça cède? Joseph s'en moque bien. Plus personne pour pleurer. Le chien peut bien crever. Pourquoi? Comme ça. Pour Lisa. Pour rien. Être méchant pour rien. Ça y est, ça crève. La glace s'effondre d'un coup. Joseph s'écarte, sans même se retourner. Mais le chien glisse toujours. Il le sent dans son dos. Inexorablement, il glisse. Il va tomber. Il tombe. Bien fait, le chien. Joseph se tourne. Plus rien. Un grand trou dans la glace et un remous. Est-ce le chien? Joseph éclate de rire. Qui l'aurait cru de lui? Un rire affreux dans la brume blanche du lac. Puis, ça se calme. Dans le trou, l'eau clapote encore doucement, comme le battement de la queue d'un chien. Joseph ne rit plus. Il est devant le trou. Petite tache noire au milieu du lac. Joseph. Le trou. Quoi faire après? Que revenir? Glisser lentement. Plus personne pour lui dire de courir. Que le blanc de la neige couverte de neige et ses traces écrites à même le blanc se dit un grand silence en forme de livre avec un trou au milieu pour le chien. Mon plus beau livre, lui dire à l'autre, trou dans le blanc, le chien n'aboiera plus. Lac et brume de lac, on me laissera en paix. Thank you.
trois saisons d'orage. Les trois gueules doivent leur nom à la forme des falaises au creux desquelles coule un torrent sombre. C'est un défilé de roches grises, hautes et acérées, divisées en trois parties, en trois sommets successifs, qui ressemblent, à s'y méprendre, à trois énormes canines. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les frères Charrier, une entreprise d'extraction de minerais sur le point de faire faillite, avaient migré vers l'intérieur des terres, forteresse de falaises réputées infranchissables. La rivière filait entre ses rideaux calcaires, l'enchaînement des gorges naturelles évoquait une longue plaie mal fermée. Le cours d'eau affleurait en amont, puis décrivait une courbe. Les trois gueules n'attiraient que marcheurs et géologues, spécialistes des phénomènes naturels extraordinaires. Nulle par ailleurs, la falaise ne s'était laissé faire de la sorte. L'eau avait établi sa loi. Le courant souverain avançait à l'ombre des narines encavées qu'il avait lui-même forées, et la pierre, d'excellente qualité, abondait. Au-dessus des trois gueules, une dizaine de maisons éparpillées abritaient les paysans qui travaillaient cette terre, faite pour eux et par eux. Des bêtes dévalaient la pente jusqu'au torrent et périssaient, prisonnières des griffes de calcaire. On retrouvait leurs carcasses rongées par les vers. Les trois gueules n'accueillaient d'animaux que les poissons du torrent, les serpents rampant sur les berges et sous la roche, les oiseaux piquant contre les remous pour se nourrir. Vue d'en haut, elle semblait accueillante. Mais les trois gueules avaient pris plus de vie que les vagues des océans, que les marées trompeurs, plus d'enfants que n'importe quelle forêt magique, plus de femmes et plus d'époux que les routes des montagnes et les lignes droites des grandes plaines. Lorsque les frères Charrier arrivèrent avec leurs ouvriers, les fermiers virent débarquer des types au visage blanc de poussière, maigres et taiseux. Ils s'enfoncèrent dans la roche, dans ces étangs secs de pierre et de métal qu'on entendait toute la journée claquer, exploser et s'effondrer. Le soir, les mêmes, encore plus blafards, remontaient les coteaux jusqu'au plateau où ils louaient des chambres aux paysans qui, après avoir vu d'un sale œil l'apparition des fourmis blanches, y trouvèrent leur compte. Ils les hébergeaient, vendaient leur nourriture. Les routes furent goudronnées, les fermes restaurées, les fermiers payés pour leurs efforts. La carrière des fontaines fonctionnait bien, elle enrichissait la moitié du village. Mais aujourd'hui encore, peu de nouvelles familles s'y risquent. En ville, ils disent « c'est trop dangereux, il n'y a rien ». L'hiver alors, vous imaginez l'hiver ? La neige et la poussière sur les arbres, les étangs gelés, les routes impraticables. Un seul médecin. Ils disent qu'on ne peut pas y grandir sans devenir fou, que les mariages consanguins ont enfanté des monstres qui se nourrissent de la pierre qu'ils taillent. Tout est soit trop pâle, soit trop sombre, les couleurs sont sales, malades, et la craie recouvre tout. Quand la pluie vient, c'est comme une nappe ruisselante de miel et de graisse, rien ne peut la laver, à part le feu, peut-être. Il faudrait fermer la carrière. Il ne faudrait plus creuser la falaise. Un jour, elle s'énervera, elle explosera. En ville, ils disent qu'ils ne croient pas aux légendes, mais ils connaissent tous quelqu'un qui, la nuit, a entendu les cris de ceux qui ont été broyés sous la pierre. Ils savent qu'il y a des fantômes, qu'il ne faut pas tourmenter la falaise. Des choses y sont cachées. Il ne faut pas les déterrer, ces choses-là. Ces choses-là n'avaient blessé personne jusqu'à l'arrivée des frères Charrier. Ils pensent qu'il ne faut pas aimer la vie pour vivre aux trois gueules.
André avait grandi dans le silence. Dans le silence et en pleine ville. Il ne supportait pas les cris, les pleurs, les injures, les menaces, et il était devenu médecin pour mettre un terme aux cris, aux pleurs, aux injures, en prodiguant les soins nécessaires. Oh, André était un garçon au cœur frêle mais tenace, un garçon rêveur et pourtant rigoureux. Il n'aimait pas s'habiller ni discuter avec des confrères, il haïssait l'inutilité, le gâchis, et plus il avançait dans ses études, plus il s'éloignait du monde des hommes sains de corps, préférant celui des blessés, où chaque mot, chaque geste compte plus que n'importe quel discours. Après la guerre, André s'installa chez un confrère surchargé de travail. On l'envoya sur les chantiers, où 10 heures par jour, les ouvriers pelletaient du sable, des graviers, coulaient du béton sans protection. Ce fut sur l'un de ces vaisseaux de construction qu'il apprit l'existence des trois gueules. Le bruit courait que les conditions de travail dans les carrières étaient moins rudes. Les ouvriers vivaient dans de vastes fermes, les loyers étaient peu chers et les patrons bienveillants. André crut qu'il s'agissait d'une rumeur que les ouvriers se racontaient. L'illusion d'un endroit moins dur, moins noir, où il y avait des rivières propres, des champs verts et des vaches grasses. Pourtant, un matin, alors qu'il venait faire sa visite, on lui annonça que 2 ouvriers avaient quitté le chantier pour partir là-bas. Les trois gueules existaient bel et bien. La ville l'empêchait d'y voir clair. Ses confrères soignaient des bourgeoises et des enfants enrhumés et s'aventuraient rarement dans les quartiers pauvres. André s'était rapidement éloigné de leurs cocktails, de leurs tables au restaurant, de leurs piscines en forme de haricots. Déjà pendant la guerre, il avait perdu ses manies et acquis de lourds cernes sous ses yeux légèrement tombants. Cet air constamment fatigué et le sourire bienveillant qui l'accompagnait fit sa gloire aux Trois Gueules, où André ne levait jamais le ton avec les ouvriers réticents à l'idée d'être soigné par un homme aux mains lisses. Le temps lui avait appris combien chaque patient, entre les mains d'un docteur, redevient à un garçon de 10 ans, sensible et effrayé. Les ouvriers avaient beau avoir des années d'expérience derrière eux, quand il s'agissait de leur corps nu devant un médecin, ils tremblaient un peu plus. André savait les apaiser. Il était rapidement devenu indispensable. Son installation aux fontaines avait changé l'existence des habitants. Ils avaient moins peur, ils semblaient moins soucieux. Un village avec un médecin à demeure est un endroit rassurant. Et André savait ce que cela signifiait, la peur, quand il n'y avait personne pour prendre soin des paysans, des ouvriers, que les campagnes, désertées par les garçons, les hommes et ceux qui les soignaient, mouraient du manque de soins. Lorsqu'André s'était installé aux fontaines, ce fut une bénédiction. Il faut le garder en forme, sinon tout redeviendrait comme avant, quand le hameau tombait en ruine, quand les routes ne portaient pas de nom, les voitures pas de plaques et les tombes pas de fleurs. Thank you.
40 ans plus tard. André avait eu le temps d'avoir un fils, Bénédicte. Et Bénédicte s'était mariée avec Agnès, une belle jeune femme, Agnès. Et ensemble, ils avaient eu Bérangère, la fille, la petite fille d'André. Mais depuis quelque temps, Bérangère était très amoureuse d'un garçon de ferme, Valère. Valère termina son année de lycée deuxième de sa classe. Ses camarades se sentaient rassurés en sa compagnie. On lui demandait conseil sur les devoirs à rendre, sur les filles aussi. Après tout, il sortait avec Bérangère. Il avait même été présenté à ses parents, Bénédicte et Agnès. Valère mettait à l'aise quiconque se trouvait en sa présence. Il était fin, viril et réfléchi. Il savait exactement quoi faire, quelles que soient les circonstances. Ses amis ne comprenaient pas comment il avait cassé aussi rapidement la coquille de son œuf. Son corps avait pris les devants. Ses muscles saillants n'allaient pas avec son visage. La carcasse d'un homme, la figure d'un enfant. C'était peut-être la raison pour laquelle on l'appréciait autant. Il était naïf et solide, sensible et constant. Tout ce qu'on attendait d'un garçon, tout ce qu'on attendait d'un adulte.
Pendant des années, Valère et Bérangère s'étaient aimés comme un frère et une sœur, comme des meilleurs amis. Ils avaient eu le temps de sentir leur corps et leurs sentiments changer. Ils se connaissaient. N'oubliez pas cette première rencontre, sous le préau, quand Bérangère s'était moquée de lui. Ses souvenirs avec elle ne le mettaient pas mal à l'aise. Ils s'étaient trouvés et compris sans se disputer. Elle était différente des autres filles des Fontaines. Jusqu'à ce premier déjeuner chez les parents de Bérangère, Valère n'avait jamais réfléchi au sens du renouveau. Mais lorsqu'André avait parlé de son arrivée, des travaux pour tirer le hameau de sa désolation, lorsqu'il lui avait conté toutes les histoires de ceux qui avaient sué sang et eau pour que le village soit plus qu'un simple tas de maisons et d'animaux autour, Valère avait soudain compris que l'amour qui l'unissait à Bérangère pourrait bouleverser le village. Leurs ressources étaient immenses, il n'y avait qu'une seule ombre au tableau, sa belle-mère, Agnès. Il l'avait vue. Quand il se disait au revoir, il l'avait vue. Bérangère était chaude, il s'était serré, tout se passait si bien. Les éléments paraissaient parfaitement alignés, rien ne pouvait plus les empêcher de s'aimer. Les familles étaient au courant, il l'enlaçait entre ses bras, son cœur était si proche du sien, si tranquille. Bérangère s'était approchée, ses yeux battaient doucement. Et juste avant qu'ils ne s'embrassent, Valère avait levé les yeux pour admirer la demeure. Agnès! Agnès! Elle était là, juste au-dessus, derrière la vitre. Valère avait blotti son visage dans les cheveux de Bérangère, comme pour calmer une angoisse, mais Agnès l'est fixée. Non, elle le fixait. Il en était sûr. Leurs regards s'étaient croisés, moins d'une seconde, moins d'une demi-seconde, mais elle l'épiait. Agnès était là, et son regard n'était pas celui d'une mère pour sa fille, mais celui d'une femme pour un homme. La semaine suivante, Bénédicte, le père de Bérangère, sur le chemin du village, croisa Valère. Il lui demanda très gentiment s'il pouvait monter à la maison aider Agnès, sa belle-mère, à déménager des meubles. Sur la route qui traversait les bois noirs, la maison surgit. Elle dominait la vallée. La façade renvoyait les rayons du soleil sur les champs et Valère avançait vite, son corps fendait l'air tel un athlète prêt à affronter son pire adversaire. Il longea la clôture, les oiseaux cachés dans les arbres avaient déserté les abords, il n'entendait que les branches sous la brise. Tout était si calme. Valère s'arrêta quelques secondes là où son regard avait croisé celui d'Agnès, sa belle-mère, pour la première fois. Le souvenir imbiba son esprit comme de la ouate. Valère frémissait. Quelque chose arriverait, il le sentait. Il épousta sa combinaison, grimpa les marches deux par deux, et la maison semblait tellement vide. Il cogna contre la baie vitrée, tira sur la poignée, et essuya ses chaussures sur le paillasson.
Des miettes de pain tapissaient la table de la cuisine et l'odeur du café chaud persistait. Prudent, il avança jusqu'au salon. Bénédicte avait dit que sa femme déménageait des meubles, mais Valère n'entendait rien. Un court instant, il se demanda s'il ne lui était pas arrivé malheur dans la remise et fit demi-tour, mais avant qu'il ait pu mettre un pied dehors, une voix à peine perceptible fusa depuis le premier étage. Qui est là ? Valère avança jusqu'à l'escalier. C'est moi, Valère ! La voix se tut. Le parquet grinça et Valère vit une ombre se déplacer au-dessus de lui. Agnès portait des vêtements amples, elle paraissait essoufflée. Elle soupira bruyamment. Elle s'avança un peu plus, dans la lumière. La poussière sur ses vêtements moussés, la nimbant d'un voile gris et pâle. Je n'ai pas besoin d'aide, tu as fait le chemin pour rien. Elle luttait, c'était maintenant. Toutes ses forces rassemblées, il ne monterait pas au premier étage. Elle devait le tenir à distance. Tu dois t'en aller, Valère. Tu dois t'en aller. Valère. Maintenant. Une vingtaine de marches les séparaient. Valère devint blême, foudrage, la colère, le désir se mélangeaient. Il avait 17 ans, il se sentait tout petit. Agnès essayait de le convaincre qu'il n'était qu'un enfant et il avait horreur de ses mots, de cette façon de lui tenir tête. Je ne peux pas partir. Alors il commença à monter les marches, une par une. Agnès avança. Valère stoppa net son pas et attendit qu'elle parle. Elle descendit trois marches, ses bras en balancier. Puis elle s'arrêta, sur elle, planta ses yeux dans ceux de Valère et ordonna d'une voix sévère et sans appel. Quitte cette maison, Valère. Quitte cette maison. Tu n'as rien à faire ici. L'instant d'après, Agnès s'était volatilisée à l'étage. Valère sortit. Dehors, devant la maison, devant la demeure, les oiseaux étaient revenus. Et ils l'accompagnèrent sur le chemin jusqu'au village, les trois gueules. Merci.